Coucou, heureux de vous retrouver pour ce 10e rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler de ce que ressent un comédien, de ce que vous devez ressentir si le théâtre vous appelle, si vous avez la vocation. Il y a deux écoles. Il y a eu l'école de Monsieur Diderot, vous le savez, qui nous a quittés en 1784, qui était un philosophe, un essayiste français qui a écrit pour le théâtre des choses extraordinaires. Le neveu, enfin, il y a eu le neveu de Rameau, il y a eu La Religieuse, ça c'était pas pour le théâtre. Voilà, il a écrit ce fameux paradoxe du comédien. Ce paradoxe du comédien dont on a beaucoup parlé et qui a fait florès pendant des siècles. C'est-à-dire que pour Diderot, eh bien, je dirais, le fin du travail du comédien, c'était de, entre guillemets, faire semblant. C'est-à-dire ne pas ressentir au fond de lui-même les sentiments qu'il devait exprimer, donc, parce qu'il jugeait que c'était dangereux pour le comédien de mettre de lui-même trop dans ses personnages, donc c'était quasiment peut-être une imitation, c'était ne pas s'investir psychiquement, sentimentalement dans ses personnages. Ça, c'est l'ancienne école. Et ensuite, celui qui a révolutionné l'art théâtral, bien sûr, je vous ai parlé de Jean-Laurent Cochet, je pense à lui très souvent, mais je dirais que un des très 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 grands maîtres internationaux a été Monsieur Constantin Stanislavski, qui est né à Moscou, qui est mort à Moscou, qui est mort en 1938. Et son école, la formation d'acteur, c'est le titre d'un de ses livres, la construction du personnage. Ah non, lui, c'est tout l'inverse. C'est l'anti-Diderot. C'est-à-dire que il faut au contraire utiliser toutes les émotions qu'on a enregistrées, tout son vécu, toutes ces émotions, ces sentiments, on doit se livrer à travers ces personnages. Et c'est vrai que pour un comédien, c'est beaucoup plus jouissif, même si on peut, certains, je dirais qu'ils peuvent être fragiles, psychologiquement, psychiquement, et trop s'investir. On sait qu'il y a des personnages qui ont déteint sur des comédiens. Il y a eu plusieurs personnages qui ont joué, par exemple, Napoléon et qui se prenaient après pour Napoléon. Il y a des Bela Lugosi qui jouaient vampire. Et ben, il dormait après chez lui dans un cercueil. Et donc, c'est vrai que il peut y avoir un peu bobo la tête chez les gens un tout petit peu fragiles. Mais c'est vrai que la jouissance, l'émotion de jouer un personnage en s'investissant totalement et en oubliant complètement tout ce qui se passe, en oubliant à la limite que vous êtes dans un décor avec du carton pâte et que c'est du contreplaqué, vous êtes vraiment dans l'action. Vous oubliez le public, donc vous y êtes, vous êtes dedans. Et d'ailleurs, cette méthode Stanislavski, c'est elle qui a inspiré ce fameux Actors Studio à New York, Lee Strasberg, qui lui nous a quittés d'une crise cardiaque 1982, il faudra que je vérifie. Et alors, bon, toute la génération de toutes les grandes stars américaines sont passées par l'Actors Studio, de Paul Newman à Dustin Hoffman, de Marlon Brando, Al Pacino, De Niro, et même Marilyn Monroe. D'ailleurs, Marilyn Monroe, il a été l'héritier. Comme elle n'avait pas d'enfant, il a été l'héritier de l'Empire Marilyn Monroe et à la disparition de Lee Strasberg, sa veuve a vendu toutes les robes, les accessoires de Marilyn Monroe se rapportaient, je crois, 14 millions de dollars, enfin une fortune. Enfin, donc Lee Strasberg s'est inspiré, a puisé dans la méthode de Stanislavski, là-bas en Russie, pour. Par exemple, un comédien qui devait jouer un chauffeur de taxi, vous allez reconnaître de qui je veux dire, un grand chauffeur de taxi, taxi driver, eh bien, le comédien allait faire un stage dans une compagnie de taxi pendant une semaine. Donc, on faisait des immersions, des personnages comme ça, qu'après, ils étaient tellement naturels, ils étaient vraiment imprégnés. Ils vivaient vraiment, je dirais, ce qu'un vrai personnage. Ils ne faisaient pas semblant, comme Diderot le préconisait. Alors donc, pour vivre sur ces sensations, ces émotions vécues, je regarde, je surveille le temps, on va se faire un tout petit voyage sensoriel. Travail qu'on fait souvent dans les cours, c'est-à-dire, et ça va vous faire du bien en cette période de confinement. On ne peut pas bouger, on est là, on est bloqué chez soi. Donc, si ça vous aide de fermer les yeux et de vous laisser guider par ma voix, faites-le.
On va imaginer rapidement. Voilà, essayez vraiment de bien, hein, de bien sentir. Voilà, les yeux fermés. Nous sommes dans une voiture. Je ferme un peu les yeux aussi, un peu chauffé. C'est l'été, c'est fin juin, début juillet. On a une envie d'aller voir au bord de la mer. Alors on est sur une, on est sur Belle-Île, mon île préférée. Alors on est dans un chemin un petit peu chaotique. On a quitté la route goudronnée. Dans la voiture, ça bougeote un petit peu, il fait chaud. On baisse vraiment un peu la vitre, on sent la chaleur. La chaleur là sur notre joue à travers la vitre. Et quand on baisse la vitre, alors oh, c'est génial parce que la chaleur, ce n'est pas exactement la même chaleur sur la joue, mais il y a un tout petit peu d'air qui arrive. Ça y est, on est arrivé. Hop, la voiture est arrêtée. On arrête le moteur. À travers la vitre, ça y est, on entend. On est arrivé à la plage, mais on n'est pas tout de suite à la plage. Il va falloir marcher dans une dune. Donc on entend à travers la vitre, oui, là-bas, ce murmure de l'océan. Écoutez-le, entendez-le. Faites marcher votre téléphone, votre magnétophone sensoriel. Appuyez sur le bon bouton. Voilà, on entend la mer. Et puis cette odeur. Waouh, c'est extraordinaire cette odeur d'iode, sauvage. Et puis le vent. Le vent qui vient vous rafraîchir, vous sortez de la voiture, et là vous êtes, on peut imaginer que vous êtes en tenue d'été, en tenue légère, et c'est extraordinaire parce que toute cette chaleur vous enveloppe, le soleil vous inonde tout le corps, vous êtes bien, il y a l'odeur, il y a cette odeur d'iode, ce bruit des vagues, il y a une plage à Belle-Île qui s'appelle Donan, on entend les rouleaux au loin, et puis on enlève ces petites chaussures qu'on avait, baskets ou des tongs, et hop! On met le pied sur le sable, et là aussi, la sensation du sable, je dirais, le sable qui n'est pas plat, voyez, les petites dunes, les petites bosses, on les sent bien sous les plantes des pieds, on commence à marcher, aïe, aïe, un tout petit chardon qui était resté là, il a piqué le doigt, on l'enlève, et on continue à marcher. Le sable est chaud, il est tiède, c'est très agréable. Il y a toujours le vent, il y a toujours le bruit de la mer. Et une petite mouette. Vous entendez? Une, deux, trois, quatre mouettes. Bla, 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 bla. Vous suivez ce petit chemin en sable. Et puis vous arrivez en haut d'une dune. Et là, c'est extraordinaire. Vous avez le bleu de la mer. C'est merveilleux. Ce bleu, des bleus turquoise, une sorte de palette de bleu, il y a le bruit de la mer. Et puis on voit la plage qui arrive avec le sable jaune clair, sec, qui se transforme en sable mouillé. Et puis l'écume, les petites vaguelettes qui commencent à arriver sur ce sable mouillé. Vous décidez d'aller goûter l'eau de la mer. Ah, ça fait du bien, vous gardez pour l'instant vos vêtements, on ne va pas se baigner tout de suite, mais on veut tâter avec le pied. Et on arrive. Ah, c'est extraordinaire. Ah, la température de l'eau. Sentez cette fraîcheur de l'eau. Et puis vous avancez un petit peu qui va monter jusqu'à la cheville. Allez, on va essayer d'aller jusqu'au mollet. Ah, c'est extraordinaire. Non, elle n'est pas si froide que ça. Elle est bonne, puis elle est transparente. Et puis il y a les petites algues qui vont, qui viennent. Cette odeur qui est encore plus forte puisque c'est au bord de l'eau. Le bruit, et cette écume blanche. Et ça va être l'heure de nous quitter parce qu'après, ici, j'ai un wifi très très mauvais. Je peux pas. On en fera d'autres, ces petits voyages sensoriels. Ça fait du bien, non? De pouvoir s'évader comme ça. Vous allez voir, au fond de vous-même, vous avez emmagasiné des milliards de sensations. On parlera sur un chapitre sur la mémoire, comment retraduire après toute cette mémoire. Allez, prenez soin de vous. Ne sortez pas dehors, hein, restez chez vous.